Curieusement, le jeu s'est assombri plus vite que d'habitude, et le jardin paraît très menaçant. Tout d'un coup, les légumes s'agitent. Ils deviennent vivants. Des lueurs scintillent dans leurs grands yeux, ils ont des dents aiguisées, des mains squelettiques. J'ai peur. Allons vite cueillir la citrouille. Oh, regarde notre citrouille, Oswald. Elle a rétréci. Elle est petite comme une pomme. Mais les cœurs, ils ont des yeux et des dents. Ils se retrouvent à la maison. Fais commencer un sort à la citrouille. Trop tard. Ils sont déjà encerclés par les salades et les poireaux. Ils tentent de s'échapper, mais les carottes entourent leurs pieds de leurs racines et les font tomber. Oh, voilà les tomates qui arrivent. Garder son petit canif nécessaire à la transformation de la citrouille en jack-o'-lantern par sa peau. Il le sort et coupe les racines des carottes. Ils arrivent tant bien que mal à se sortir du jardin et entendent une voix supérieure. Cornelia est une sorcière. Elle vit recluse dans une vieille cabane au fond de la forêt. Tout le monde a peur d'elle, car elle est si méchante. Papa et maman nous ont toujours défendu d'aller jouer dans la forêt. Si la sorcière nous attrape, elle nous changera en vilain crapaud. Tu as entendu ce que nous a dit Jackie? Il faut aller la voir pour sauver notre citrouille, la feuille d'aluminium. Les enfants pénètrent dans la forêt à la recherche de la sorcière. Ils sont pétrifiés à l'idée de la voir. Et de ce que pourrait leur faire. Sur le chemin, tout paraît menaçant. Les arbres, les forêts. On entend les cris de la nuit. Des toiles d'araignées tapissent les murs et les meubles. De vieux grimoires sont éclairés par des bougies. Et
on aperçoit des fioles aux noms étranges et aussi une boule de cristal. Soudain, surgit Cornelia. Cornelia prit sa boule de cristal et dit aux enfants: quand on arrivera au jardin, il faudra répondre à une énigme. Et l'énigme résolue que je pourrai sauver Jackie grâce à une potion magique que je vais préparer. Une cuillère de bave de chamou, ou quelques gousses de liqueur de champignons vénéneux, et pour finir, du concentré de foie de tortue. Cornelia fit grimper au soir et Astrid sur son balai magique et les emmena au jardin. Allez les enfants, tenez-vous bien, ça va décoiffer. Le balai décolle comme une fusée et traverse la nuit étoilée d'Halloween. En dessous d'eux, la ville se prépare pour célébrer cette soirée. Des bougies illuminent les maisons. Les enfants s'activent dans leurs préparatifs. Mais la révolte des légumes gronde. Ils ont commencé leur massacre. Dans tout le quartier d'Oswald et d'Astrid, il n'y a plus aucune citrouille de taille normale. Les légumes progressent vers la ville. Walligator Park. C'est la fête Halloween Walligator Park. Nocturne spéciale ce soir. Alors on a le bruit et l'odeur parce qu'il y a une dame devant nous qui arrête pas de se lâcher. Hein. Je suis désolé. Hein. J'espère qu'elle se reconnaîtra sur la vidéo. Je prends des risques pour vous faire partager. Hein. C'est la dame là. Hein. Quand ils arrivèrent au pied de Jackie, Cornelia prit sa boule de cristal et lut les lignes. Quel est l'ancêtre de la citrouille d'Halloween? Attention, attention, vous n'avez droit qu'à une seule réponse. Et si elle est fausse, on n'entendra plus jamais parler d'Halloween et des jack-o'-lanternes. Et alors, les légumes ensorcelés régneront sur votre ville. Les enfants répondirent en chœur. L'ancêtre de la citrouille? Facile, c'est le navet. Oui, oui, bonne réponse. Oh, par les poils de mon balai galactique et ceux de mon égrangé, que le sort jeté soit complètement annulé. Regardez, les légumes reprennent leur place. Tout redevient normal. Et Jackie aussi. Merci Cornelia, vous êtes une gentille sorcière. Maintenant, il est temps de préparer notre grande citrouille et d'aller chercher des bonbons. Thank you.
Voilà donc spectacle pyrotechnique Walligator Park Halloween. Il renouvelle ça la semaine prochaine. Donc comme je vous ai dit, hein, donc on vous a fait partager, je vous ai fait partager la vidéo, mais bon, on a un peu souffert parce qu'il y a une dame qui arrêtait pas de se lâcher. Voilà. Allez, à très vite. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Bye bye.